A appris avec consternation en date du vendredi 6 septembre 2019 la disparition du camarade Robert Gabriel Mugabe, président honoraire de la République de Zimbabwe et du ZANU-PF survenu à Singapour. Le parti du président Joseph Kabila Kabange, PPRD, rend hommage à ce héros du panafricanisme tel qu'il lui paraît juste de les considérer avec honneur et dignité sous le titre de père de l'indépendance et fondateur du Zimbabwe. La formation politique du président Joseph Kabila Kabange et le PPRD se souviendra toujours de ce grand homme un baobab de la lutte pour la libération du peuple africain qui n'a pas hésité un seul instant de répondre à l'appel lancé par feu Mzee Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo de l'époque, en engageant aux côtés des forces armées congolaises les troupes de la SADC à la tête desquelles les forces armées du Zimbabwe afin de mettre en déroute les forces d'agression contre l'unité de la RDC, notre pays. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, présidé par son président national Joseph Kabila Kabange, saisit cette occasion pour saluer également la mémoire des soldats des troupes de la SADC tomber sur les champs d'honneur dans notre pays. Car sans cet appui, la balkanisation de la République démocratique du Congo aurait été réalisée à coup sûr. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, cher au président Joseph Kabila Kabange, se souviendra encore que, grâce à cette icône de la lutte pour la libération du peuple noir d'Afrique, nombreux de ses cadres et militants du parti ont bénéficié d'émissions de formations idéologiques et d'échanges d'expériences au Zimbabwe avec le ZANU-PF. Le parti du président Kabila présente enfin ses condoléances les plus attristées au peuple frère du Zimbabwe en général et aux camarades membres du ZANU-PF, ainsi qu'aux membres de la famille biologique des Russes disparus en particulier. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie inscrit désormais son nom dans les annales du parti comme l'un des patriarches qui ont quitté, armes à la main, et dit avec amertume honneur aux soldats de la lutte contre la balkanisation de la RDC. Honneur à l'icône de la lutte pour la libération du peuple africain. Honneur à l'icône du combat pour le panafricanisme. Honneur aux héros de la lutte pour l'indépendance. Honneur aux patriotes Bushungu, Robert Gabriel Mugabe, héros national. Adieu. Le vrai allié du soldat du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila, héros national de la République démocratique du Congo. Je vous remercie.